Les trois quarts. Le geste technique de Gabrielle Vernier qui fait ça comme si elle achetait du pain. Nous allons pouvoir commenter des extraits de tournois à destination féminin à la Mathieu Lartaud version féminine. Préparez-vous. Oh waouh, c'est une relance de Cyrielle Banet qui, wow. Qui se prend Agathe Socha, mais qui réussit à se faufiler parmi la défense du Pays de Galles. Personne ne l'arrête et Pauline Bourdon toujours au soutien qui aplatit cet essai pour l'équipe de France. Incroyable, n'oubliez pas la qualité du terrain aussi des appuis de Cyrielle Bourdon. Exactement, un terrain de qualité au Pays de Galles. Cyrielle Banet toujours là et Pauline Bourdon au soutien comme à son habitude. Un commentaire à faire sur ça? Non, c'était un très bel essai. Tout a bien fini, elle a battu au moins 10 défenseurs toute seule. Alors, tout va bien. Toi, t'animes bien, t'inquiète. Moi, j'aimerais bien voir les commentaires façon Kalfaoui. Un paire de deux piliers. Oh, ça, c'est beau. S'il y a un ballon porté, c'est quelle magnifique œuvre du paquet d'avant. C'est incroyable. Ça sort vite pour Gabrielle Vernier qui lui fait waouh. Wow, cette schiste est rare. Du jeu de trois quarts, le French Flair comme on l'appelle, voilà. Tu le connais toi. Non. Magnifique essai d'Émilie Boulard après un gros travail de tout le monde parmi et les trois quarts. Le geste technique de Gabrielle Vernier qui fait ça comme si elle achetait du pain. À l'aise Blaise. Ok, départ d'un ruck, Pauline qui envoie le ballon. Plaquage sans ballon. Plaquage sans ballon, petit jeu au pied de Émilie Boulard. Et Béli à la conclusion. C'est dans l'imperfection qu'on voit des beaux essais. C'était pas contrôlé, mais pourtant, c'est allé au bout. Dans le French flair, comme on dit. Hein. Exactement. Le plongeon est magnifique. Gabrielle Vernier qui se fait secouer comme une patate. Message très important à tout le monde, n'oubliez pas de suivre notre saison sur Société Générale Rugby. Bye.